Hey, salut, avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, si t'as envie de soutenir mon travail, tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie. Le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi. Comment tu fais pour avoir toutes ces connaissances défensives et défensives? Alors, c'est une bonne question, on peut en débattre si ça vous intéresse. Mon arme secrète, c'est le Kindle. T'achètes ça, tu sais, c'est une tablette Amazon. Et en fait, du coup, bah, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouquins. Parce que le foot, ça me passionne vraiment. Et si tu veux, il y a pas d'autres secrets. Il y a pas d'autres secrets que de livre. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, l'info, elle existe. Ça veut dire que faut aller torcher des articles, faut aller torcher des blogs, faut aller torcher des bouquins. Et en fait, du coup, t'es obligé de faire ça. Tu vois, t'es obligé de lire des livres, d'avoir des infos qui viennent d'ailleurs. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que j'en suis même arrivé à un stade où je lis des livres qui se contredisent. C'est-à-dire que t'es obligé à un moment donné d'avoir des infos qui viennent de plusieurs coins et de voir les choses de manière différente. Tu as des livres à conseiller, bah plein, plein. Du coup, si tu veux, l'idée, c'est que tu vas te construire une culture foot petit à petit. Ça prend du temps, en fait. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et faut s'accrocher. Et si t'es passionné de foot, ça va, hein, faut te mettre dedans, faut avoir envie. Faut s'abonner à des pages comme la mienne. Faut s'abonner à des pages comme Sideline Hustle. Faut s'abonner. Il y a des pages de DB, après, il y en a plein. Il y a DB Doctor. Bon, je ne sais pas de tête, mais sur Insta, il y en a des tonnes. Et en fait, faut bouffer du contenu. Et surtout, en fait, faut lire. Faut pas regarder que les vidéos. Faut lire aussi les petits commentaires en dessous, ce que disent les gens. Lire des articles, lire des blogs, et tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, il y a un auteur qui s'appelle, en introduction, hein, qui est vraiment simple, il y a un auteur qui s'appelle David Waite, je vais vous le mettre dans là. Et en fait, ce gars fait des petits bouquins sur Amazon, c'est vraiment des petits livres, genre ça fait une centaine de pages, et en fait, il explique un concept, une idée, c'est pas très approfondi, c'est-à-dire que ça va pas... Ça va pas révolutionner votre vision du foot. Par contre, ça va vous apporter plein de petits trucs que vous connaissez peut-être pas. Et du coup, avec un langage qui est simple et compréhensible. All Eyes DB Cam fait du contenu intéressant où il demande quel cover utiliser contre un play en particulier. Ouais, j'ai déjà vu sa page, elle est vraiment cool. Je le suis attentivement. Et donc David Waite. Et après, sinon, il y a Match Quarters. Coach A. Match Quarters. Cody Alexander, c'est le nom du mec. Et là, du coup, c'est plus avancé. Il a écrit 3 bouquins, je crois. Et son blog, c'est une vraie bible. Mais du coup, faut déjà un certain niveau. Back to Basics de Anthony Stones pour avoir une culture générale du foot. C'est une page Insta, ça s'affiche, je la connais pas. Matchwater, c'est du haut niveau, ouais. Mais c'est oufissime. C'est oufissime. Les bouquins sont géniaux. Je sais pas si tu les as lus, mais... Moi, je les ai tous lus et je suis un fan inconditionnel de Match Quarters. Dès qu'il sort quelque chose, j'achète. Back to Basics de Anthony Stone pour avoir la culture générale du foot. Ça, je connais pas, ça m'intéresse, ça. Je veux bien un lien à l'occasion. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sache que depuis peu, tu peux bénéficier de coaching personnalisé en vidéo en échange d'un don. Lien disponible dans la bio.